Si là-bas, au fond, ça serait l'Europe, imaginez. Moi, j'ai traversé l'Atlantique. On voit un peu de terre là, et après, c'est de l'eau, et de la terre. Mais à l'arrière de tout cet eau là, il y a la terre. C'est Montréal. Ben, Montréal, Sorel. Mais c'est vraiment loin, attendez. Là, peut-être, ouais, là, c'est mieux. Je dois me continuer à filmer là-dedans. Il y a un gros bateau au fond. Il y a entre ces deux pics de terre. Tout cet océan, mini-océan énorme, océan interne. Si tu le vois ici, je ne sais pas combien il mesure, mais l'avoir traversé, je me sens. Je vois ça comme impossible. Donc c'est un bon défi. Et maintenant, tellement calme. Il était tellement arraché. Et moi aussi en passant. Mais on a appris à se connaître hier. Moi et les lacs. J'ai compris que c'est comme une espèce d'entité vivante, pareil qu'un animal. Sauf que ta relation avec les lacs, c'est situé à l'intérieur, évidemment. C'est là que vraiment il y a une communication, il y a quelque chose qui se passe. Lui il vient là, il va faire des grosses vagues. Regardez, c'est pas les gros bateaux comme là-bas. Lui là-bas au fond, lui quand il va partir, il va faire des grosses vagues, mais je vais déjà aller voir. Je vais traverser le pont des trois rivières. Je vais continuer.